Bonjour, bienvenue sur l'Argus.fr pour vivre une expérience unique, la finale de l'Audi Endurance Experience. On est ici à Luleå, en Laponie suédoise. Alors la règle est simple, une course de 3 heures sur la glace, 12 voitures au départ, 5 pilotes par équipe. L'Argus partage sa voiture avec nos confrères de Direct Auto et Top Gear Magazine. Alors, mon collègue Mathieu est sur le départ. Notre voiture de course est cette Audi A3, 1,8 litre TFSI, 180 chevaux, évidemment transmission quattro pour plus d'efficacité sur la neige et surtout des pneus cloutés pour bien adhérer sur cette piste verglacée. Un sacré challenge nous attend. Nous partons 11e sur 12, donc on a 3 heures pour refaire notre retard. Box, box, Martin, on rentre au stand box. Plutôt tu arrêtes la voiture, plutôt oui. Je déclenche mon chrono. Okay. Top. Voilà, nickel. Bah, la même après, mais c'est bon. C'est très bien. Allez, à tout. À l'heure. Le premier relais. Bon, bah, le premier relais c'est bien passé. On a réussi à revenir un petit peu sur le numéro 9. Là. La piste est un peu différente d'hier, il est tombé de la neige et il fait un peu plus chaud, donc c'est un peu plus mou, faut pas trop partir vers l'extérieur parce qu'on perd un peu de temps. Mais voilà, c'était sympa. Ouais. Alors on est à 53 minutes de course et comme vous pouvez le voir derrière, pour l'instant c'est neutralisé, il y a un concurrent qui est sorti, ils vont devoir sortir le tracteur, donc dans ces cas-là c'est drapeau rouge. Toutes les voitures se regroupent sur la piste, du coup ça va resserrer les écarts et ça va ajouter un peu de piment. Ça y est, c'est fini. Génial, super expérience. On finit combien? Alors on finit 8e au classement général. Ok. Donc voilà, c'en est fini, 3 heures de course. Bravo au team Advance qui finit premier du classement général. Le team numéro 11, le team Média, finit 8e au classement Scratch. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on termine 2e de notre classement, de notre catégorie. Ça veut dire qu'on va quand même goûter aux joies du podium. Alors c'est parti. Merci à Romain qui nous a supporté pendant ces deux jours dans le paquet de droite, donc c'est bien, c'est plus courageux.